Au Jardin des glaciers pour cette belle rencontre de la Réserve mondiale de la biosphère. D'ici quelques instants, M. Hubert Rive va se joindre à nous. Il va être avec nous pour la fin de notre petite période où on remet certaines reconnaissances à nos partenaires, nos fondateurs, etc. Je demanderai aux organismes de venir ici, à l'avant, que je vais nommer, leurs représentants. On a des très beaux certificats à vous remettre et on prendra une photo de groupe par la suite. Par ce statut, l'UNESCO reconnaît l'engagement de toute la communauté, toutes nous autres et plus, à créer ici une région modèle de développement durable et de dialogue. Mais ça a commencé avec vous. Puis je tiens vraiment à saluer cette première vision puis cet engagement-là depuis le tout début et de voir des fondateurs qui sont encore parmi les collaborateurs réguliers de la Réserve de la biosphère. On parle de 10 ans maintenant. C'est vraiment quelque chose de particulièrement exceptionnel. Donc, l'entreprise Alcoa est partenaire depuis plusieurs années avec nous et c'est vraiment... Pour vous mentionner, dans le fond, un peu ce qui différencie les partenaires qu'on va honorer aujourd'hui, les partenaires qui sont engagés avec nous depuis au moins 5 ans. Maintenant, l'autre catégorie, la Taïga. Le premier partenaire important dans cette catégorie-là, c'est la ville de Baie-Comeau, avec Mme Christine Brisson. Toujours dans la catégorie Taïga, un individu qui a cru, qui y croit encore, qui nous a même amené à l'Assemblée nationale, notre député, M. Marjolin Dufour. Merci à M. Hubert-Rive d'être présent ici dans notre réserve mondiale de la biosphère. Étant un site reconnu par l'UNESCO pour notre vision en matière de développement durable et de concertation entre les partenaires, c'est un honneur particulier de vous recevoir. Nous qui travaillons dans l'éducation, dans la sensibilisation et dans la gestion des changements, nous sommes à même un peu de comprendre l'exceptionnel travail de longue haleine que vous poursuivez dans votre démarche. Je vous remets ça dans vos temps libres. Vous pourrez, je ne sais pas si vous en avez beaucoup. Vous pourrez en prendre connaissance. Je vous dis, c'est magnifique. C'est très, très beau. Moi, je suis honoré que vous soyez ici et on voulait vous remettre une parcelle d'honneur. Ah, c'est bien.